se met au lit. Première nuit d'amour, les parents sont partis. J'ai la tête en vrille, c'est le caradio. La première fille, voilà c'est parti. Elle a éteint la lumière et là je pique un coup de speed. J'ai tellement peur de lui déplaire qu'elle dise que j'en ai une petite. De pas trouver le bon endroit, c'est une légende le point G. J'suis pas habile avec mes doigts et encore moins avec mes pieds. Il fait tout noir et je vois rien, j'crois que je lui ai donné un coup de tête. Putain, je viens d'écraser ses seins, j'ai zappé d'enlever mes chaussettes. Je fous ma langue dans son nez en essayant de l'embrasser. Puis je veux réchauffer mes pieds sur sa peau car ils sont glacés. Elle gémit et elle me dérale quand je mets un doigt dans sa bouche. Mais en fait c'est parce qu'elle a mal, car c'est son œil que je touche. Alors elle prend les choses en main et elle me plaque sur le dos. Puis elle s'amuse avec ses mains, j'espère qu'elle sait jouer du pipeau. Elle descend vers l'endroit fatal pour me faire une petite gâterie. Mais qu'elle ne se donne pas de mal, car je me suis déjà fini. Alors passons aux choses sérieuses, la position du missionnaire. Je l'ai vu dans la collectionneuse, Clara Morgan, ça c'est d'enfer. Mais ce n'est pas comme dans les films, car notre peau en pleine action, en sueur qui colle et qui dégouline, fait d'horribles bruits de succion. Je voudrais m'enfoncer sous terre. Heureusement, mon réveil sonne encore un plaisir solitaire. La prochaine fille sera la bonne.